On est dans le magasin, c'est parti. Christian, tu choisis Christian. Tu te fais plaisir. Tu fais plaisir. Ok. Donc je peux prendre 10 livres propres, 20 paires de chaussettes. Voilà, salut à tous, c'est Matt Lunch. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On se retrouve pour une vidéo avec Christian. Eh bah Christian, chantier. Christian, il y a Falco. Tiens, Falco, tu dis bonjour un peu. Tiens, voilà Falco, ma grosse tête de fou. Donc voilà, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo relooking pour Christian. Aujourd'hui Christian, explique-nous un peu ta situation. Eh bah Christian, gros SDF depuis une paire d'années maintenant. Bon, SDF, ça veut pas dire non plus sans travail, hein. J'ai déjà travaillé à droite, à gauche, je fais les saisons. Et ouais, je suis à la rue actuellement, et bah, avec mes chiens. Voilà, vous voyez Falco, j'ai pas le deuxième. Et moi j'ai croisé Matt Lunch, voilà. J'ai proposé une petite séance de relooking, alors pourquoi pas, si ça peut m'aider. Plus tard pour aller chercher du boulot. C'est ça, pour mes démarches, pour le boulot. Puis même, si un jour je veux emmener une petite chérie au resto, voilà. Là, c'est ça passe toujours mieux que... Il n'y a pas de soucis. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que là, il est déjà tard, donc on va aller vite dans les magasins histoire de chercher de nouveaux habits, c'était chaud. Donc voilà gars, on se retrouve au magasin pour chercher les habits, à de suite. Donc voilà les gars, juste avant la vidéo, je voulais juste remercier OneFootball qui a permis de sponsoriser cette vidéo et ce projet. Donc pour ceux qui connaissent pas l'application OneFootball, donc OneFootball c'est l'application numéro 1 sur le foot mondial. Moi je l'ai personnellement. Mondial, on faut le dire, mondial. Donc voilà, OneFootball qui est disponible sur iOS et Android gratuitement, qui est dans la description. Pour ceux qui suivent le foot et qui suivent la Coupe du Monde, c'est intéressant. C'est vraiment pas mal. Moi, personnellement, je vais la suivre. On a tous les matchs. On a tous les matchs. Donc là, regarde, rien que dans l'accueil, il y a les abonnements, social transfert. Et en fait, on a vraiment toutes les infos. Donc, social, c'est un peu ce qui partage les gens, etc. C'est intéressant aussi. Transfert, c'est les transferts qu'il y a de joueurs à équipe, etc. Puis, les rumeurs de transfert et tout. Ouais, il y a ça aussi. Les matchs. Donc, les matchs, vous avez les matchs. Abonnement, vous pouvez rechercher par exemple. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la Coupe du Monde qui va arriver. Donc, nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est la Coupe du Monde. Donc, vous allez dans la recherche. Mais on sait pas qui va gagner cette année, mais il y a très très grosses équipes. Hein. Coupe du Monde, hop, vous marquez ça et vous avez toutes les infos sur la Coupe du Monde. Je vous montre ça par rapport aux poules, la Russie. Premier match, c'est jeudi, les gars, 14 juin. Donc, c'est très bientôt. Hein. Jeudi 14 juin, premier match, j'ai Russie. Hâte, hein, franchement, j'ai hâte. Contre l'Arabie Saoudite, ça va être chaud. Ça va j'ai être hâte chaud. De voir en fait chaque équipe. Chaque groupe, comment ils vont s'en sortir. Ça va être chaud. En tout cas les gars, l'application, elle se trouve dans la description, n'hésitez pas à la télécharger. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et je vous laisse avec la vidéo. On est dans le magasin, c'est parti. Christian, tu choisis Christian. Tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir. Ok. Donc je peux prendre 10 livres propres, 20 paires de chaussettes. Voilà, je vais te mettre bien. Une petite chemise. Polo noir. Petit polo comme ça, carrément. Tu fais quelle taille toi? Écoute, à la base je faisais du XL, j'ai perdu pas mal de... Je pense que c'est un médium, je pense M. Je vais la casquette quand même, faire un peu mieux. C'est vrai que je t'avais promis une casquette que je t'ai acheté. C'est adorable, Lou, merci. M, c'est parfait. Carrément, je peux regarder s'ils ont cette en bleu. C'est une dame bleue. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes, t'avais pas de soucis de prendre. C'est pas une chemise. Un bleu, un noir. Prends un petit suite. Donc voilà, HM nous a viré du magasin puisqu'on avait une caméra. Donc bravo à vous, malgré ce qui s'est passé déjà une première fois avec une mauvaise pub par rapport à un suite, ils ont recommencé à nous virer. On leur a expliqué en plus que c'était pour un sans-abri. Et en plus de ça, le gars se permet de mal parler à une fille parce qu'elle a une fille avec nous. Et voilà. Il voulait limite frapper la meuf. C'est pas grave, on va changer de magasin trop tôt, faut juste pas s'énerver. A de suite. Voilà, on change de magasin, on va aller chercher des bons habits cette fois-ci. On l'a changé en boycott H&M, encore une fois. Allez, boycotté H&M. Je vous jure les gars, t-shirt noir, ça fait toujours un hein, ouais. Ouais, j'ai un noir. Moi j'ai peut-être un petit M. Attends, il y a peut-être des... Bah tiens, regarde moins 50 sur le 2. Ah bah voilà, on va prendre un blanc, un noir. Bah vas-y, mais ouais, tu sais quoi, non, blanc, laisse tomber, je vais les... T'sais... Vas-y, pas de noir, vas-y. Ou alors, attends, si moi je prends un rouge. Il y a un bleu. Ouais, vas-y, je vais peut-être un rouge. Orange, ouais, il est beau l'orange. Il fait été comme ça. Ouais, il fait chouette. Vas-y, bah on prend les deux là, y'a pas de soucis. T'aimes bien ou pas? Dis-moi. Si, les choses. Ok, allez, on prend celui-là. Merci, merci. Ah, mais franchement, c'est adorable. Dis-moi si t'aimes bien des trucs, n'hésite pas. Hein. Celui-là, il est beau. On prend en vert quand on prend le bleu comme ça. Bah, prends le bleu et le vert, comme ça, t'en auras deux. Non, vas-y. Mais si, c'est bon, t'inquiète, prends. Elle est belle, elle est belle en jean. Moi, j'ai la même. Elle fait tout simple, mais elle passe partout, ça. Elle. Elle, tu penses que c'est bon? Ça passe.
passe bien elle. Hein. C'est bien, ouais. Je pense. Mais j'ai peut-être en prendre une plus basique, ouais, voilà. Comme ça. Qui passe un peu partout. J'aime bien. C'est pas mal ça. Il y a deux poches. C'est à ficelle. Tu ferais duquel taille en pantalon? Ouais, moi je prends. Je fais du 38-40. Il est chouette. T'aimes bien? Ouais, pas mal. Ah, moi, en tout cas, je trouve très bien, quoi. Allez, on va te prendre celui-là. Des jeans. Un pantalon. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément, ouais. C'est quoi ça comme pantalon? Je chercherais plus un jean, mais c'est du jean. Bah, lequel tu préfères entre les deux, là? Je pense celui-là, je trouve bien beau. Ça passe bien, c'est du combien que tu fais de 38, ouais, tu m'as dit? C'est du 38-40. Là, il y a des beaux jeans. Hein. Choisis un jean que, ouais, que tu kiffes. Pas, ouais, le grill, elle est pas mal. Hein. C'est pas les mêmes tarots, quoi, aussi. Hein. C'est pas grave. Tu prends un jean, il n'y a pas de soucis. Lequel celui-là, je les trouve chouettes. Ouais, ils sont beaux, hein, ceux-là. Mais bon, non, mais c'est le tarot. Mais non, mais regarde. Par rapport à l'autre, laisse tomber. 38. J'aime bien. Merci de tout cœur, quoi. Ça me... J'ai pas de problème, t'inquiète, tranquille. Dis-moi lequel t'aimes bien et... Je les aime bien tous. N'importe, moi, ils font un bleu gris comme ça, je pense. Ouais. Il y a une petite chemise là, à moins 50. Carrément, elle est comment? Elle est belle, hein? Elles sont, ouais, celle-là, elle est stuff, hein? Ouais, elle est elle, belle, en plus, c'est ta taille, tu vois, c'est, ouais, fait exprès. Bah, c'est, non, mais... c'est destin, c'est comme ça, c'est ainsi. On la prend. Vas-y, on emballe, c'est clair. Non, les boxeurs, il y en a 3, là, il y en a 5. 5, c'est bien, il y en a l'autre 5. Un autre 5. Et puis un autre chaussette. Là, 10 paires de chaussettes. Ah bah voilà, c'est vrai. Gris, noir. Noir, noir c'est mieux, ouais. Donc 5 caleçons, il faudrait 10 caleçons plus. Comme tu veux, allez, j'en ai quand même un des caleçons. C'est du S, c'est serré, non? S, ouais, c'est... Ouais. Plutôt non, du ouais. L ou du M? Donc on en prend un comme ça. Franchement, prends-en 5, parce que les caldés, j'en ai pas mal aussi. Hein. T'es sûr? Oui, sûr. Le sac, on le prend? Ouais. Ouais. Comme vous voulez, monsieur. Non, mais t'inquiète, on va te prendre un autre sac aussi. On va aller voir Intersport. Ok. Non, mais ça... c'est royal, sérieux. Je ne peux pas me mettre. Ah, il y en a beaucoup, hein. Désolé. Franchement, c'est... C'est grâce à Sarah aujourd'hui qu'on peut payer les habits. C'est grâce à Sarah. Ouais. Sarah, elle finance le projet. Merci beaucoup. Ça va, Christian? Mais ça déchire, franchement, mais... Pff, c'est royal. C'est blindé, hein. Et tu sais quoi, il y a une chose que je voulais dire, et que je te répète depuis souvent, c'est qu'au final, vous, avec vos petits moyens, votre bonne humeur, votre gentillesse, et votre organisation, mais je veux dire, au final, vous n'avez aucune subvention, c'est que de la... c'est que du don, et c'est que de votre volonté, de votre bonne humeur. Et au final, vous, avec le peu de moyens que vous avez par rapport à des structures de l'État, bah, au final, vous faites plus, vous apportez beaucoup plus. Je parle pas forcément du point de vue matériel, mais juste du point de vue humain. Ça fait chaud au cœur. En plein hiver, quand t'es à la rue, d'avoir des petits gens qui viennent s'arrêter, de dire bonjour, comment vas-tu, est-ce que tu veux un café et tout, bah... Okay. Moi, je vous dis mais là-dessus... Mais c'est pas fini. On a encore des trucs, c'est pour ça qu'on commence à faire. Question. Vas-y. Laisse-le là. On laisse là, ouais. On va aller vite fait, on a Intersport pour les chaussures. C'est où, et un sac. Ouais, sinon, ça, c'est un peu tout ça. Falco, petite caisse pour les mauvaises angles, au cas où. Putain, j'ai peur. 138, voilà. Et Falco, j'y arrive. Voilà. Ouais, ça redevient à la mode, là. Je me rappelle, à l'époque, tu sais, j'avais les modèles, tu sais, avec l'écran, là, en dessous, ça faisait un peu des piquants, comme ça, en dessous. Moi, j'ai pas connu ça. Lui, il a connu, ouais. C'était super bien, puis elle. Elles tenaient longtemps, quoi. Ça va, c'était solide comme. C'est là, elles sont belles comme tout. Bon, à l'époque, pareil, je mettais quoi? Je mettais des Stan Smith. Et les petites Adidas Stan Smith, là. Je les prenais en noir, ça c'est pareil, c'est les chaussures que je mets avec. Ça va. Je sens que ça va être. Un peu petit ou quoi? En fait, tu sais, j'ai le pied hyper large en fait.
Et tu vois bien là, j'arrive même pas à le passer de maintenant. Donc voilà, on sort de chez Intersport. Et voilà, et là on se dirige chez le coiffeur. Donc chez le coiffeur, enfin, une petite mise au point, petite mise à jour. Et voilà, à de suite. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a de bon là? T'es pris normalement, je t'ai pris que des belles. Non mais là t'es quoi? Tu m'as pris. Je lui ai dit, va aux toilettes, t'inquiète, je me charge du menu. J'ai pris des hot wings, ouais. Du poulet normal. Là, il y a de quoi nourrir un village. Et un burger. Je ferai un peu de steak parce que tu sais que t'aimes bien le steak. La classe. Franchement, à mon avis, je vais en mettre dans le sac, il n'y a pas tout que je vais manger d'un coup. Hein. Le chien, il mange le poulet? Ah, bah oui, bah t'inquiète, qu'il va avoir sa part aussi. Hein. Ah, bah t'es le pauvre loulou, il attend là, t'inquiète pas qu'il va avoir sa part quoi. Bah écoute, bon appétit et plus tard, je te fais ta plaisir quand même. C'est quoi, c'est plus que plaisir là, vous m'avez. C'est plus que plaisir, vous m'avez retourné là quoi. Non, sérieux, merci de tout cœur quoi. Alors, t'as pensé quoi cette journée, Christian? Bah ouais, c'est quoi, j'ai bossé une putain de fin d'après-midi, que ce soit déjà humainement. De vous avoir rencontré, d'avoir passé un putain de moment avec vous, déjà moi ça me change. Comme je te disais juste avant, comment ça me fait encore plus plaisir que ça te fait plaisir. Bah, merci bien. Tout le cœur quoi. Voilà. Donc et voilà, là j'ai. Il a eu. Donc on a été manger, il a été chercher ses amis, etc. Bon, il voulait pas aller au coiffeur, j'ai insisté mais il voulait pas. Bah en il fait, c'est qu'il y a pas grand chose à faire. Il a pas faire, grand quoi. Chose et il préfère se faire lui-même, donc il a la chance d'avoir un appart, c'est ouais, ça. Ouais, bah en fait, c'est un squat que j'avais. Okay. Et j'ai rencontré le proprio. Et après avoir repeint, en fait, le proprio m'a proposé de repeindre l'appart et de refaire le carrelage dans la salle de bain. Okay. Et une fois que j'ai fait ça, bah, il m'a signé un bail, quoi. Il m'a fait le bail de l'appart. Donc là, depuis début du mois de mai, j'ai un appart officiellement. C'est classe. Bah, depuis le 2 mai. Voilà, là il va rentrer tranquillement, on va le laisser, il va se changer, etc. Puis on le recroisera sûrement, je ferai peut-être une deuxième partie avec toi. Ah bah carrément. Pourquoi carrément. Pas faire une deuxième partie, on irait plus loin. Peut-être faire une petite activité, massage, relax, un truc comme ça. Bah écoute, ça peut être pas mal. On l'emmènera lui. Faut qu'on passe sport, un... Ouais, du sport, un truc comme ça. Relaxer tout ça, mais si tu veux un jour aller courir ou même se faire un coup. Plus on l'emmène un peu lui. Ah bah tu sais quoi, on l'emmène un peu. En tout cas, merci. Bah c'est moi qui te remercie. Bien passé, t'as pris un peu de ton temps, mais bon. Tu m'as rien pris d'aucun temps, tu sais, je fais rien de mes week-ends, parce que actuellement je fais rien de mes journées. Au contraire, c'était un grand plaisir quoi. Franchement, tu as passé un super moment, franchement, ça c'est des putains de loulous. Et sérieux, continuer comme ça, c'est génial. Merci. Et si je peux me rendre utile, n'hésite pas. Y'a pas de soucis, je te remercie. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve bientôt.